bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Laurent, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer comment participer au concours, parce que j'ai fait un concours mais pas beaucoup de monde ont compris comment participer. Alors c'est très simple, d'abord vous allez cliquer sur le lien en description, c'est la première ligne de la description. Ensuite donc vous allez arriver sur ce site là grâce au lien dans la description, donc vous avez juste à cliquer. Une fois que vous êtes dessus, donc pour participer au concours, pour gagner une carte 15€ iTunes ou Play Store ou un spinner, vous allez vous inscrire. Donc là vous mettez, moi je mets par exemple monsieur, je mets un nom au hasard, on va mettre par exemple ça, vous mettez le vrai nom et prénom. Donc là je vais mettre Luc, là je vais mettre, mettre au hasard, donc mettez plus de 18 ans, quand on sait jamais, mettez plus de 18 ans, vous mettez 1997 ou 1997 ou 98 comme vous voulez, enfin des deux quoi, au minimum, vous pouvez mettre plus, donc on va mettre 96. Là le mail, on va mettre le mail que j'ai créé spécialement pour la vidéo. Donc là c'est celui-là. D'ailleurs c'est mon mail si vous me contactez pour des partenariats etc. C'est ce mail là. Donc là hop là, copier, coller. Non ça c'est mon mot de passe ça. Donc mot de passe vous mettez ce que vous voulez. Voilà, moi je mets mon mot de passe, vous allez voir après tout ça. Donc là c'est bon. Donc le mail surtout est très important, et le prénom et le nom. Donc là vous faites commencer gratuitement. Donc là vous choisissez le pays, vous mettez France, là vous mettez, alors soit vous mettez votre vraie adresse, soit vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets par exemple au hasard parce que de toute façon on est sur une vidéo donc je mets n'importe quoi. Mais vous le mieux c'est de mettre la vraie, ou sinon vous vous inventez, vous regardez sur internet une fausse adresse, ça peut marcher aussi. Donc là je mets Paris, on accepte les conditions et on fait terminer mon inscription. Donc voilà, une fois que c'est fait vous arrivez ici. Alors ici pour participer donc comme je vous ai dit au fameux concours. Une fois que vous arrivez ici, il faut aller dans vos mails. Donc là, je vais dans mon mail. Et là, normalement, on reçoit un mail qui devrait arriver. J'espère. Attends, on va demander le mail. Peut-être qu'il est. Peut-être qu'il faut faire une demande de mail. Je sais pas s'il faut faire une demande de mail. Ah, c'est bon. Donc là, vous recevez le mail. Donc, alors sur Gmail, par exemple, c'est en promotion. Il se peut que sur mail, enfin sur hotmail.fr, ça soit sur les messages qu'on reçoit dans les messages indésirables. Bref, du coup, vous allez dessus. Donc c'est le mail description. Donc là vous validez votre mail. Ici vous faut cliquer ici pour valider votre email et participer au tirage au sort de 500€. Hop là, nickel. Hop là, parce qu'en fait si vous voulez j'ai déjà un compte, donc ça marche pas sur Google normal. Donc là je vais en privé. Donc là il dit félicitations, votre mail a été validé et votre participation a été prise en compte. Donc là il nous souhaite une bonne aventure. Et donc après, donc là vous avez fait la première étape. Deuxième étape pour participer, enfin pour être sélectionné parmi les participants, c'est en fait de se connecter. Donc là par exemple on est le 4 avril, je me connecte le lendemain le 5 avril et c'est bon, je vous serai dans les participants, donc vous pourrez participer pour gagner une carte de 15€ à iTunes ou Play Store ou un spinner. Donc voilà, on débute la vidéo, go. D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening sur le compte d'un abonné, donc le compte de Razor. Donc en tout cas merci à lui parce que il va avoir du lourd. Donc là je commente par dessus parce que je n'ai pas pu commenter les gameplay en live, mais c'est pas grave, vous allez voir c'est quand même vraiment épique. Donc là on a quoi? On a quand même pas mal de coffres. On a eu le coffre de clan que vous avez vu, on a eu le coffre de défi. Donc voilà. Donc on a coffre magique, super coffre magique. Et donc on a aussi un petit coffre épique. Il me semble que je vais le prendre, il m'a dit que je pouvais le prendre, donc on aura un petit coffre épique également. Donc je regarde un petit peu son deck pour un petit peu les légendaires qui pourraient l'intéresser ou les cartes qui pourraient lui intéresser comme les communes et les rares. Et donc là on va commencer le pack opening avec le coffre gratuit. Donc on a déjà 94 d'or, ensuite 11 mortiers, ensuite 2 golems de glace, donc c'est pas fou hein. Après c'est un coffre gratuit donc c'est pas fou. Donc là premier coffre en argent, 64 d'or, une méga gargouille, 11 gobelins. Donc voilà, encore une fois, coffre d'argent, c'est pas non plus extraordinaire. Donc la deuxième coffre gratuite, on a 3 cartes, attention, 98 d'or, 3 cartes, attention, attention, 2 gemmes, dommage, 1 guérison et 12 chevaliers. Voilà, ensuite on passe au dernier coffre en argent, 82 d'or, 1 gobelin sracane, 12 barbares. Ok, donc là pas ouf non plus. Donc là il nous reste quand même 2 très bons coffres, à part le coffre de défi que j'ouvre maintenant, donc 310 d'or, 1 mini PK et donc 7 géants royales. Donc là 3 victoires hein, c'est pas ouf hein. Surtout le défi classique c'est pas ouf, c'est le plus petit défi donc c'est pas ouf. Donc là il reste 3 bons coffres avec le petit coffre épique bien sûr qu'on va prendre. Donc il a quoi, 2 poisons, 4 squelettes géants,
5 sorcières et pour finir, vu qu'il y en a 20 épiques, il va avoir donc 9 PK qui pourra passer, donc le PK il pourra passer niveau 4 s'il veut, ce petit PK. Donc dans son deck principal il a pas d'épique. Il a pas d'épique, regarde un petit peu là. En fait si il a des épiques des mortes quoi, il a des épiques quoi, il a l'armée de squelette, le ballon. Mais il avait peu cette carte là dans le coffre épique. Donc là c'est parti, coffre à couronne, 651 d'or. Ensuite, 2 gems, dommage du coup on n'aura pas de légendaire. 20 esprits de feu, 53 esprits de glace, 8 extracteurs, et donc une petite épique, un petit ballon. Donc ça lui fait un ballon sur 100 pour le passer au niveau 7. Donc là il reste les 3 meilleurs coffres, vraiment c'est les 3 meilleurs. Alors après le reste, donc là il nous faut 2 épiques et 27 rares pour une légendaire. Donc là 1620 d'or dans le coffre de clan, 24 rares de gargouille, 50 zap. Ensuite 80 bombardiers. Ensuite on a 12 cabanes de gobelins, donc là il y a pas assez de rares, 86 barbares d'élite. Donc là il nous faudrait les épiques, il n'y a pas assez de rares. Donc là, là il y a les rares, 15 guérisons et puis les épiques du coup, 3 bébés dragons. Donc voilà, il y aurait eu les rares avant les deux dernières cartes, peut-être y aurait eu une légendaire, là du coup pas de légendaire. Du coup c'est parti, on va commencer avec on va faire le coffre magique, avec les deux derniers, coffre magique. 7 cartes, 800 d'or quasiment, 6 squelettes, 4 valkyries, donc là on a des rares, encore des rares, 5 méga gargouilles, 80 bombardiers, 14 cochons, et attention, épique, 4 miroirs, donc là ça sent la légendaire, si on a 4 épiques, ça sent la légendaire avant la dernière carte. Attention, c'est parti, est-ce qu'on va avoir une légendaire ou pas? Oup, sorcier de glace, magnifique. Magnifique sorcier de glace qu'on va pouvoir passer, enfin qu'il va pouvoir passer au niveau 2. Je vais pas passer au niveau 2, mais il pourra le passer au niveau 2 s'il le veut. Donc voilà, petit sorcier de glace dans un coffre magique. Le coffre magique, ça fait super longtemps que j'ai pas eu de légendaire dedans. Que ce soit sur un compte d'un abonné ou sur mon compte, ça fait super longtemps que je n'ai pas eu de légendaire, donc ça fait quand même plaisir d'avoir une petite légendaire dans un coffre magique. Parce que comme je vous dis, ça faisait quand même longtemps. Donc là, pour le super coffre magique, il nous faut, j'ai regardé vite fait, mais j'ai pas vu. Comme une épique, il nous en faut une bonne dizaine d'épiques. Donc là, on a eu 5000 d'or, 5 méga gargouilles, 14 golems de glace, ensuite on a 34 guérisons. On a quasiment 600 barbares d'élite, c'est ouf, hein. 600 barbares d'élite, c'est incroyable. 95 boules de feu et à 12 bourreaux. Ça va pas suffire parce qu'on a pas eu assez d'épiques, il nous en fallait 24. Voilà, du coup 13 clonages. Il nous fallait 24 épiques. Et avant la fin, avant la dernière carte, mais on en a eu que 13 avec le 12 avec le bourreau. Et du coup, ben, le reste avec le clonage. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de légendaire. C'est dommage, bon, il y a quand même eu 600 barbares d'élite, c'est quand même pas mal. Hein. 600 barbares d'élite, c'est voilà, 600 communes. Mais en gros, il y a toutes les communes. Il y a toutes les communes d'un coup, 600 d'un coup. Donc, à partir de là, on aurait pu croire, mais il n'y avait pas assez d'épiques. Dommage. Il y aurait eu 20 d'épiques avant la fin, ça aurait pu le faire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce pack pudding vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao!